C'est pas vrai, j'y tremble. Comme je le fais souvent dans ce parc ou dans d'autres, j'écoute énormément d'audio, de musique inspirante. Et en ce moment, je suis en train de travailler sur la tournée 110. Et puis, ça m'arrive parfois, et même très souvent, ici au Canada, en Floride de plus en plus, et puis évidemment en Suisse, en Belgique, en France, vous êtes nombreux à me suivre. Je rencontre beaucoup de personnes qui viennent me remercier, et ça me fait mille fois plaisir, qui me font une petite accolade, une petite bise, et ça c'est toujours très apprécié. Et je pense notamment à cette dame qu'on va avoir maintenant sur ces images, qui a une explosion de bonheur et un mélange de tristesse aussi ou d'émotions qui ne sont pas du tout contenues. On regarde ça. Oh mon... Oh là là. Pourquoi vous pleurez? Parce que je sais, je marche dans ce parc. J'ai dit un jour je vais le voir et j'ai pas lâché. J'ai remis une question. Aujourd'hui, c'est toute une remise en question. Je vais m'inscrire à la tournée 110 tous. Je suis arrivée à un point dans ma vie où j'ai craqué aujourd'hui, ce matin, et puis je vous rencontre. C'est incroyable. Il n'y a pas de hasard, hein? Oh mon Dieu, j'en reviens pas, c'est pas possible. Hein? J'ai dit, je marche ici, et je voulais marcher plus aujourd'hui. J'ai dit, non, je vais marcher dans ce parc, parce que j'habite à côté, et j'ai reconnu. Je reconnais quand vous faites les vidéos. Ah oui, je fais, oui. Alors j'ai dit, il est dans ce parc, je suis sûre qu'il est dans ce parc. Donc vous allez venir à la tournée 110, pourquoi? Oui, je vais inscrire aujourd'hui, j'ai demandé au niveau du travail, j'ai dit je m'en fous, il faut que j'y aille. J'y vais avec une amie que je lui ai dit, j'ai parlé de vous, elle m'a appelé, elle m'a dit j'ai mon billet. Elle m'a dit toi t'as pas ton billet, j'ai dit non à cause du travail, mais c'est bon, aujourd'hui c'est décidé aujourd'hui. Bon alors là on est sur nos médias sociaux, sur Facebook, dites-leur un petit bonjour. Bonjour. Avec un petit sourire maintenant. Voilà, c'est mieux. Okay. Dites-moi, c'est quoi vos projets pour les 5 prochaines années? Qu'est-ce que vous aimeriez le plus cher au monde? Ça serait quoi? Moi, je veux progresser dans ma carrière. Donc, je dois absolument me perfectionner en anglais. Et je travailler sur moi. Travailler sur mes peurs et sur mon anxiété. Voilà, c'est bon. Ça. Alors, maintenant, il va y avoir que des sourires. Hein. Que des sourires, merci. Bon, et puis la prochaine fois que vous me voyez, vous ne me mettez pas à pleurer? Non, je ne me mettrai pas à pleurer. Bon, je suis le même devant la caméra? Ou dans la vraie, pareil? Le même. Pareil. Bon, on leur dit un petit au revoir? Allez, au revoir, merci et à bientôt. Vous voyez les amis, la façon dont nous voyons les choses, tous les jours, nous avons cette capacité d'exploser de joie, d'exprimer des émotions, de passer de ces pleurs au sourire, on a la capacité de modifier nos émotions en permanence. Quand je vous dis venez à la tournée 110, je sais que Paris c'est complet, mille fois désolé. Enfin, je vous l'ai répété pendant 2 mois. Mais venez à Montréal, la tournée 110, il est encore temps de prendre vos billets. Évidemment, Floride, Canada, Québec, chez moi, Montréal, venez à la tournée 110, Montréal, Palais des Congrès, ça va être immense. Je voulais simplement vous dire que si vous êtes en Europe, c'est 6 heures d'avion. Le montant, l'investissement pour un billet d'avion en cette période à l'automne, en plus l'automne au Québec, il faut juste que tu réalises que c'est que l'automne au Québec, c'est juste féerique. Le billet d'avion est le moins cher de l'année en ce moment, profitez-en. Et en plus, évidemment, le Palais des Congrès de Montréal est beaucoup moins dispendieux que celui de Paris. Et donc, évidemment, l'investissement pour les billets pour la tournée 110 sont vraiment moins élevés qu'à Paris. Donc, profitez-en entre le prix du billet d'avion, l'économie sur la place que vous ferez à Montréal, plus la devise canadienne. Je peux vous dire, et puis surtout, attendez, ça va être juste magique dans les prochaines semaines. Venez vivre la tournée 110 avec nous, il reste des places pour Montréal. Et puis une nouvelle fois, mille fois merci de tous ces témoignages d'amour que vous m'envoyez. Vous êtes nombreux à me dire, Franck, que tu ne m'as pas répondu dans les médias sociaux. Parfois, mon équipe me fait lire des messages comme ça. Oui, parce que ça m'arrive de me faire engueuler tous les jours, parce que je ne réponds pas. On vient d'atteindre les 2000 messages privés par jour dans les médias sociaux, tout confondu, où vous souhaitez me parler. Je voulais juste vous dire que la vidéo est faite pour ça. Mille fois merci à tous et à toutes. Vous êtes ma source d'inspiration. C'est moi qui vous remercie. Ce qui se produit chez Globe et avec mon équipe nous dépasse un tout petit peu, honnêtement, parce qu'on ne s'attendait pas à un tel engouement. Depuis maintenant 7 à 8 ans, notre mission grandit considérablement. 40% de participants en plus dans nos événements chaque année. En ligne, c'est la même chose. Je voulais vous dire que
À l'époque, on m'avait dit, Franck, ça ne marchera jamais, ta vision du leadership. Tu sais, continue de faire des formations. Je faisais des formations en prise de parole en public à l'époque, tu sais. Continue de faire des formations en costume cravate. C'est ça qui fonctionne, ça fait sérieux. Tu sais, de te mettre en jean ou en basket, ça marchera jamais. Ou ça va faire un gourou, laisse tomber, surtout. Et ici au Canada, évidemment, on avait l'habitude, mais en Europe, ça marchera jamais. Jamais. Mais tu sais quoi, les médias vont te tomber dessus. Mais ça va être une horreur. Et je leur ai dit, what? What the fuck? Laissez-moi transmettre mon énergie, ma vision du monde, ma vision du leadership, mon approche du développement personnel. Et puis, what the fuck? Laissez-moi leur donner de l'amour et de l'attention parce que c'est ainsi que je veux vivre. Et voyez, ce témoignage que je viens d'avoir à l'instant me confirme encore plus tous les jours que nous sommes dans le droit chemin pour notre mission. Et puis, c'est très positif ce que je vais vous dire, mais la vie est courte, on n'en a qu'une. Et mon temps sur la Terre, quand vous regardez bien, il n'est pas très long encore. Donc, je vais encore plus croquer à la vie à plein dents pour venir vous exploser d'amour, d'inspiration et vous faire comprendre à quel point vous êtes beaucoup plus capable de vivre votre vie que ce que vous le pensez. La plupart d'entre vous, vous marchez comme si vous aviez un boulet aux jambes. Et je vais vous le supprimer, ce boulet, croyez-moi. Franck Nicolas, de retour au Palais des Congrès pour l'événement de l'année. Booster sa carrière, développer ses affaires et enrichir ses relations. Vous êtes des dizaines de milliers à avoir vécu la tournée 110, aux côtés du coach des coachs. Parmi ses leaders et ses entrepreneurs, des parcours et des histoires hors du commun. De Montréal à Paris, et en seulement quelques heures de coaching, des milliers de participants vont changer de parcours. Un temps fort direct et authentique, dans une ambiance de concert de rock, de partage et de rencontres, avec des participants issus de plus de 30 pays différents. Affaires, relations, argent et santé. Des stratégies, des outils, de l'énergie, des sourires et des témoignages inoubliables vont vous surprendre par leur authenticité et leur engagement à 110%. Vous allez découvrir comment ces leaders ont décidé de rompre avec le passé et avec leurs peurs pour voir grand et vivre leurs rêves sans la moindre hésitation aux côtés de Franck Nicolas.